Alors, c'est le podcast des Remparts de Québec qui commence à l'instant. Mon nom est Gab Marino. Très content d'avoir cette opportunité aujourd'hui. Avec nous, on a Théo Rochette, capitaine des Remparts depuis 2021. On a Nathan Gaucher, qui évidemment a remporté la médaille d'or avec l'équipe Canada Junior et aussi Espoir des Ducks. Et on a Michael Huchette ici, un gars qui s'est fait détruire par la pratique de John Tortorella de cela quelques mois. Ça salut les gars, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, merci beaucoup. Mick, tu sais, juste pour commencer là-dessus, parce que j'étais cœur, tu sais, cette fameuse pratique-là, comment ça s'était passé? C'était incroyable. C'était la pratique la plus dure de ma vie, ça, c'est sûr. Son test, il était vraiment dur. Même Théo va pouvoir parler parce qu'il l'a vécu, mais peut-être qu'il l'a pas eu aussi dur que moi, là, mais non, j'ai tout donné, puis je pense que ça a paru à la fin parce que je voyais plus rien, je voyais noir, puis je me disais, ça n'a pas d'allure. Je suis vraiment plus capable, j'avais la misère à me relever après. Là, ah, c'est ça. C'était votre première expérience de camp professionnel avec les Flyers? Moi, c'est ma deuxième. Okay. J'étais allé à Toronto l'année d'avant, mais c'était pas comparable. Non, vraiment pas? Non, au niveau de l'intensité, c'était pas comparable. La première pratique, même au camp de développement, là, c'était quelque chose. Ben, juste les entendre parler de même. Juste, ben, mettons, moi, je suis allé au camp des Ducks, puis c'était pas la même chose. Fait que je pense que c'est juste l'effet de John Tortorella à Philadelphie qui a créé tout ça. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est cool. Vous avez tous des expériences différentes aussi là, dans le hockey professionnel et pour la suite des choses aussi pour vos affaires. Puis, c'est sûr que là, je vais vous poser des questions un peu aussi par rapport à ça, mais de manière plus individuelle. Mais là, encore là, tu es dans le podcast, si vous avez des réactions à avoir, c'est bien correct. Là, on est autour d'une table. Tu sais, par rapport à Théo, l'an passé, tu as signé un contrat en Suisse, puis tu as décidé de revenir finalement cet été avec les Remparts. C'était quoi la décision ultimement qui t'a mené à revenir? Puis comment ça s'est passé, cette réflexion-là? Ben, c'est sûr, c'était compliqué au début. Là, quand on a fini la saison, je savais pas ce qui m'attendait, mettons, pendant l'été. Fait que j'ai fait les démarches pour revenir. C'est ça que je voulais ultimement. Puis Lausanne, ben j'ai parlé avec eux autres de la décision, puis ils trouvaient que c'était peut-être bon pour moi, pour mon développement aussi. Donc c'était comme une décision de groupe, puis moi je voulais revenir parce que évidemment je savais qu'on aurait la chance de faire une longue run des playoffs, puis c'est ça que je voulais là, gagner, fait que c'est pour ça que je suis revenu. Patrick, à la fin de la dernière saison, il a comme dit « ouais, je ne sais plus trop là, si ça me tente encore » puis tout, puis c'est à quel moment que Patrick a pris sa décision, ou bien il t'a appelé, est-ce que vous avez des discussions par rapport au fait de hey, « je reviens, est-ce que tu reviens » des trucs comme ça? Non, pas vraiment, ben moi j'ai parlé à Pat pas mal tout l'été, puis il l'avait trouvé tough l'élimination là, comme tout le monde, mais plus particulièrement celle-là qui m'expliquait à travers les années, puis lui c'était je pense que c'était clair dans sa tête qu'il voulait revenir, mais je pense que c'est juste le fait d'avoir été éliminé, il l'avait un peu crève-cœur, puis je pense que c'était juste un peu sur le coup de l'émotion, mais je pense pas qu'il a hésité tant que ça. Fait que j'étais pas mal sûr qu'il allait revenir, puis c'est aussi pour ça que je suis revenu. Là. Mais là, cette année, évidemment, l'équipe, on se cachera pas que ça va de l'allure. L'équipe, honnêtement, cette année, puis les attentes sont élevées. L'an passé aussi, les attentes étaient élevées aussi. Puis bon, ça s'est terminé de manière crève-cœur, comme tu as dit. Qu'est-ce que l'expérience de l'an passé vous apporte cette année ou va changer peut-être à votre préparation des prochaines semaines d'ici le début des séries? Ben, honnêtement, personnellement, comme tu viens de le dire, on l'a vécu un petit peu l'année passée, tout le monde ensemble. Je pense qu'on a pas mal le même noyau de joueurs qu'on avait l'année passée, puis les trois joueurs aussi qui en ont fait partie l'année passée. Puis je pense que tu viens de le dire avec les attentes qu'on avait l'année passée déjà. On a fini premier au total, on avait déjà des attentes assez hautes. La façon qu'on a géré ça, c'est peut-être pas la meilleure façon, puis c'est peut-être ça qui nous a mené à une défaite en demi-finale. C'est quelque chose que je pense qu'on peut gérer encore mieux cette année, puis d'avoir surtout d'appris de cette expérience-là nous rend encore plus fort, je pense. C'est sûr pour moi, j'ai pas vécu cette année, j'ai pas vu beaucoup de matchs, j'ai pu y voir dans les estrades, fait que pour ça, je peux voir que des gars, à chaque jour, on dirait l'équipe s'améliore, puis la confiance des gars est là. C'est sûr, là, on a beaucoup de blessés, mais je parle quand on avait toute l'équipe, j'ai pu voir ça, puis c'est une belle équipe, puis j'ai hâte d'embarquer là-dedans, pouvoir contribuer, c'est sûr, mais je vois déjà une différence comparée à l'année passée, là, on dirait qu'on a un groupe vraiment soudé, des nouveaux atouts vraiment incroyables, qui ont du leadership, puis on a tout appris là-dedans, fait j'ai hâte de voir la série, là. Je pense qu'on va être confiant, je suis pas mal sûr que ça va bien aller. J'imagine que tu as hâte de revenir au jeu aussi. Hein?
C'est long, on c'est vraiment dur mentalement. Je t'avoue, on a hâte qu'on vienne aussi. Ouais, hein? Ouais. Tu sais, parce que c'est-tu la première fois que tu t'absentais aussi longtemps de n'importe quelle équipe de hockey que tu as joué? C'est ma plus longue blessure, ouais. C'est sûr. Là, j'ai des fois une semaine, deux semaines, ouais. Mais là, d'être, ça fait cinq mois, là, c'est, mentalement, c'est tellement dur. Mais tu sais, je pense que c'est un coup à donner. Là, mais non, c'est dur. Au quotidien, t'es-tu avec l'équipe? Ouais. T'es avec eux, t'es suivi en voyage? Je sais pas si t'es là 100% du temps avec eux ou ouais, comment ben, ça fonctionne? Ben, mais... C'est sûr, j'ai été un mois, quand j'ai eu l'opération, un mois après, j'ai été arrêté. J'étais à la maison, puis c'est sûr qu'il fallait que maman, papa m'aide à tout faire au quotidien. Ouais. Fait que non, c'était dur pour ça. Mais après ça, j'ai rejoint l'équipe, puis je m'entraîne à chaque jour. Je suis retourné sur la glace, là, ça fait un mois et demi. Fait que non, ça fait du bien de pouvoir embarquer avec les gars, puis avoir du fun, mais là, j'y suis là, régulièrement là, pour le reste de la saison. Tu sais, puis comme tu as dit, Nate, on a hâte que Mick il revienne dans l'équipe et tout ça, mais ça demeure qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par les Remparts cette année, puis encore là, en fin de semaine, il y avait cinq joueurs absents, des réguliers. Ça donne des opportunités à d'autres, mais en même temps, si ces gars-là savent que leur temps est compté, tout le monde accepte son rôle comme faut dans l'équipe? Ouais, je pense que oui, là, tu sais, tout le monde... Je pense qu'on est arrivé au début de la saison, puis tout le monde savait ce qu'il y avait à faire dans l'équipe. Les lignes n'ont pas bien bougé avant Noël. On n'a pas eu beaucoup de blessés. Puis là, ben, dernièrement, c'est sûr qu'on a beaucoup de blessés, mais les gars savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis je pense que tout le monde respecte ça. On n'a pas de selfish dans l'équipe. Puis comme Nate a dit, on a pris beaucoup d'expérience par rapport à l'année passée. On sait ce que ça prend pour gagner cette année. Fait que. Je pense que les gars sont prêts pour ça. Honnêtement, on a une très belle profondeur. Puis les joueurs, tu sais, c'est des Davis Cooper qui amène à chaque soir, qui va être présent, qui va travailler super fort, qui va nous amener des buts une fois de temps en temps. Puis c'est des joueurs comme ça, Andrew Bourne, qui nous aident beaucoup. Puis pour vrai, c'est peut-être pas les gars qui ont les plus gros spotlights, là, mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est les autres qui vont nous aider à gagner. Puis en ayant des blessés comme ça, c'est sûr que c'est important qu'eux autres ils prennent un rôle un petit peu plus important. Puis je pense qu'ils le font en ce moment, en espérant que les blessés reviennent bientôt puis qu'on aille jusqu'au bout. Mais comme j'ai dit tantôt, Mick, il nous manque, puis tous les joueurs qui sont blessés nous manquent, puis on va y aller jusqu'à la fin de la saison. Ça va leur faire prendre l'expérience aussi d'avoir des rôles un peu plus grands pendant un certain temps. Je pense que, tu sais, après, quand tout va se calmer puis que tout le monde va revenir, ben tu sais, ils vont avoir vécu d'autres choses aussi. Puis en playoff, ben, tu sais, ça va nous prendre tout le monde. Puis là, en ce moment, ça nous prend tout le monde pour gagner des matchs. Même pour la confiance, excuse-moi. Ouais, vas-y. Pour les gars, là, c'est le fun. Tu sais, t'as la chance de pouvoir monter, pouvoir montrer à l'entraîneur qu'est-ce que tu peux faire. Ben, je parle pour eux, mais je pense que, tu sais, ils apprécient quand même le fait qu'il y ait des blessés. C'est une opportunité pour eux de montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Fait que je pense au final, ça va être bon malgré tout pour tout le monde. Là. Fait qu'on va pouvoir venir tout fort. Puis. Tu sais, puis par rapport à justement cette équipe-là, à quel point elle est soudée, à quel point tout le monde travaille fort, puis tout ça, tu sais, juste pour en revenir en fin de semaine, bon, j'ai pas vu le match à Drummond, mais celui de Victo jeudi, puis hier contre Halifax, les deux fois, on tirait de l'arrière en début de troisième, puis la troisième période, les deux matchs, c'était une des deux de vos meilleures périodes peut-être de l'année, là, tu sais, vous avez poussé vraiment fort pour revenir de l'arrière, mais... Il manquait encore le petit but pour forcer la prolongation. Mais dans l'ambiance de l'équipe de ces deux matchs-là, qu'on retient de ce week-end-là où on a pas assez proche de finalement aller chercher la victoire en revenant de l'arrière? Comment vous avez vécu ça là, dans le vestiaire, disons, entre la 2 et la 3 aussi, qu'est-ce qui se disait? Ben, c'est sûr, c'est frustrant parce que ça fait ces deux matchs-là, c'était deux matchs importants. Puis on a pas super bien commencé, mais je pense que tout le monde dans le vestiaire a confiance en notre groupe. Puis, ça paraît sur la glace. Là. On a eu des bonnes remontées. C'est sûr qu'on n'a pas réussi, mais je pense que ça montre aussi le caractère qu'on a. Puis, je pense que par rapport à l'année passée, c'est des affaires qu'on n'était pas capable de faire. Puis, je pense que l'expérience, elle revient beaucoup aussi là-dedans. Et qui a quel rôle dans la chambre? C'est qui le gars le plus vocal, disons, dans la chambre? C'est qui s'occupe de la musique? C'est qui... comment vous voyez les rôles, disons, là, justement, là, qu'on peut pas voir en tant que spectateur? Je me suis fait prendre mon spot depuis que je suis parti. Ouais. Niveau musique, c'est rendu lui. C'est rendu toi, t'es? J'ai hâte de voir, je vais le reprendre. Il est temps que tu reviennes, parce que c'est pas très bon. Ah, c'est ça! Ouais, c'est... en tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que quand c'est pas moi qui amène, il y en a qui se plaignent. OK, bon. C'est juste ça le même. Il est super bon, c'est Théo qui met la musique. Si je peux me permettre, les gars les plus vocales, je pense que pour vrai, tout le monde ont leur mot à dire, puis c'est ça qui fait le fun. Il y a beaucoup de joueurs qui sont vieux, comme je dis, le noyau de l'année passée, qui se permet d'avoir de l'expérience, puis de jaser comme ça entre la 1 et la 2, puis juste motiver les troupes. Puis
Je pense qu'il n'y a pas un gars que je pourrais te nommer, tandis qu'une équipe au complet, parce qu'on est, bien soudés. J'ai comme l'impression qu'un gars comme James, mettons, James Malatesta, il peut comme crier un peu plus fort, il peut comme tapocher un peu sur les les murs pour juste booster la troupe un peu. Puis, tu sais, Théo, tu me sembles un peu réservé aussi, mais un leader peut-être un peu plus... puis c'est peut-être une mauvaise impression qu'on a, là, mais un leader silencieux dans cette équipe-là ou... Ben, ça dépend des games, je te dirais. Là. Il y a des fois où... Ben, tu sais, quand on fait des bonnes choses, j'aime ça le dire, mais je veux pas qu'on tombe non plus dans un mood confortable, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, j'essaie de le dire, puis je suis là pour dire les affaires positives, mais c'est sûr que quand ça va mal, c'est là que je sens que mon rôle, faut que j'embarque, là, puis j'essaie de parler aussi pour le groupe. Aussi. Okay. On parle pour lui, parce qu'il a pas l'air de vouloir le dire, mais à chaque période, il est là, puis il a son mot à dire, puis il nous encourage, puis c'est un des plus vocaux dans l'équipe. Là. OK, puis si jamais, mettons là, une situation comme, là, vous menez 4-0 après deux périodes, ça va plutôt bien, tu sais, vous avez 40 lancés, votre équipe en a 20, comme c'est arrivé plusieurs fois dans la saison, Patrick, il fait quoi? Est-ce qu'il vient dans la chambre? Est-ce qu'au début, il dit good? C'est quoi qui arrive habituellement? Il vient tout le temps environ à quoi 8:33 pour venir nous voir là, avant d'arquer sa glace, il a son petit temps, puis c'est correct. Puis on est habitué à ça, puis il vient tout le temps dire son mot, peu importe qu'on perd, qu'on va gagner 8-0 avant une période. Puis, je pense que les mots qu'on se dit dans le vestiaire, les mots clés que lui dit, c'est vraiment jouer pour nous, s'améliorer, puis peu importe qu'on regarde même pas le score. C'est vraiment de jouer pour nous, puis à partir de là, on va voir ce qui va arriver. Mais si on joue toujours notre meilleur hockey à chaque période, pas se souciant du cadran puis du score, ben, je pense que c'est là qu'on va sortir notre meilleur hockey. Si on a un gros lead, c'est surtout de garder nos bonnes habitudes, là, pas tomber, comme j'ai dit, dans le confort, puis tout. C'est vraiment de continuer à travailler, puis si c'est, je sais pas, moi, 7-0 après la deuxième, ben, tu sais, continuer à travailler, puis préparer la prochaine game aussi, là, pas tomber dans des petits jeux fancy, puis tout. Tu sais, le fait de mal finir un match, parce que justement, tu sais, c'est hors de portée pour l'autre équipe, pogner des mauvais plis, puis après ça, affronter une grosse équipe, puis mal partir la rencontre. Ça, je pense, honnêtement, c'est un signe d'une équipe qui peut aller jusqu'au bout, justement, d'une équipe qui va pas abandonner dans une game comme ça, qui va se mettre à jouer plus individuel. Une équipe qui va être plus serrée va justement jouer leur meilleur hockey dans ces situations-là, puis de prouver qu'elles sont capables de jouer en équipe, même si c'est 5-0 ou 6-0. Qu'est-ce que vous répondriez à, disons, un partisan fictif ou quelqu'un qui écoute qui dit que les Remparts contre les équipes, disons, de bas classement, c'est sûr, tu sais, ils vont gagner, ça va bien aller. Mais quand les Remparts affrontent Sherbrooke, Halifax, Victo, il y a Rouyn Noranda aussi qui est dans ces équipes de tête-là. Qu'est-ce que vous diriez à des partisans qui diraient « Ouais, ça, on n'est pas trop sûr, on sait pas, les Remparts ont de la misère contre les équipes de haut classement. » En fait, j'ai regardé tantôt cette année contre ces équipes-là, vous êtes 6 victoires, 8 défaites à la date. Ça vous dit quoi par rapport à ça? Ben, moi, je pense que contre les grosses équipes, souvent, qu'est-ce qui arrive, tu sais, contre Victo et contre Halifax, on a eu des départs un peu, des mauvais départs, on peut le dire. Puis je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué contre ces équipes-là. Puis on dirait qu'on était comme plus observateurs au début. On dirait qu'on essayait de les analyser plus que de jouer notre game. Puis je pense que quand ça embarquait, on voyait qu'on était meilleurs qu'eux autres. Puis on avait confiance en notre groupe, mais c'est juste que pour les séries, je pense qu'on va arriver en confiance. Puis il va falloir qu'on mette la switch pour partir tout de suite la game. Là. comme Théo il a dit, c'est sûr que pour les avoir vus jouer, puis tu sais, j'y connais les gars, puis tout ça, je n'ai joué aussi des matchs, mais au final, oui, ça va être tout le temps des bons matchs. Des fois, c'est une erreur qui fait une différence. Fait que tu sais, c'est sûr que là, en série, ça va être différent. Les gars vont faire plus attention, les jeux vont être plus simples. Des fois, tu sais, le stress va être plus haut des deux bords, je sais pas, mais tu sais, on sait qu'on a une bonne équipe, puis peu importe ça va être qui, je pense qu'en série, on va tout donner, mais tu sais. Je pense qu'un fan, il a pas besoin de s'inquiéter. Là. Okay. On sait qu'on a un groupe soudé et qu'on est capable de les battre. Là. Des fois, c'est des circonstances, des petites erreurs qui peuvent faire une grosse différence quand tu pognes une bonne équipe. Des fois, on a eu beaucoup de matchs dont 0, fait que des fois, c'est peut-être plus dur, mais je suis pas inquiet. Là. Il y a beaucoup, honnêtement, il y a des supports d'une bonne équipe cette année, les juniors, puis il faut leur donner le respect, puis on les respecte, c'est de très bonnes équipes. C'est sûr que ces games-là sont plus difficiles pour
les deux équipes. On va parler de Sherbrooke, on va parler de Victo quand ils vont jouer contre des équipes de bas de classement. Eux autres aussi. Ils vont gagner, puis quand ils vont arriver contre nous autres, ils vont avoir un record peut-être. Ça va être une bonne game de hockey. Puis, honnêtement, je pense juste qu'il faut donner le respect qui sont dus. Puis c'est des bons matchs de hockey. Puis, honnêtement, j'ai pas peur. Je suis vraiment confiant. Puis en disant à un fan, c'est comme ça, là, on va y aller, puis on va être soudés. Puis je suis sûr qu'on a notre confiance dans l'équipe. Là. Nate, tu as participé encore au championnat du monde de hockey junior, deux fois en quatre mois. Évidemment, il y avait une grande différence entre celle-là du mois d'août et celle-là du mois de janvier. Là, ouais, déjà. Côté expérience globale de la chose, mais côté expérience personnelle dans l'équipe, toi, c'était quoi? Ouais. Tu sais, tu arrivais là en août peut-être un peu moins comme joueur d'expérience de l'équipe aussi. Comment tu as vécu ça les deux fois que tu es arrivé dans l'équipe? Ouais, c'est sûr que la première fois, je ne m'attendais pas du tout à en faire partie de l'équipe. Là. C'était une équipe qui a eu un tournoi qui avait été cancellé en décembre, qui a été remis en août. Plusieurs joueurs qui doutaient encore d'y retourner ou pas. J'ai eu la chance de t'appeler et de pouvoir aller jouer un rôle peut-être de profondeur. Au début, je n'étais pas censé jouer dans l'alignement. J'étais comme 13-14e attaquant. Puis, dès le premier match, j'ai eu mon premier départ, puis à partir de là, tu fais juste travailler fort, puis juste pour pouvoir monter dans l'alignement, puis prouver que tu as ta place, mais après tout, si tu veux gagner une médaille d'or, tu vas tout faire pour pouvoir gagner une médaille d'or, fait que, tu sais, il y a des matchs que je jouais 7 minutes, et après, c'est des choses comme ça, mais c'est un rôle que j'ai aimé, puis à la fin de la journée, j'ai eu une médaille d'or autour de mon cou, fait que ouais. J'ai vraiment adoré cette expérience. Je sais pas, les gars, si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, mais tu sais, de la manière qu'Équipe Canada est faite, il y a tellement de joueurs talentueux à la base, que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va être sur le power play. Mais un joueur comme toi, c'était d'une logique absolue de te mettre dans le line-up, je trouvais, parce que tellement efficace en face-off, en désavantage numérique, on le voit avec Payo Roy, ce que vous faites depuis de quelques saisons, ça n'a pas de sens. Fait que, c'était un rôle, je pense, qui t'allait bien aussi avec l'équipe Canada. Ben, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai eu l'appel, justement. Il y a tellement de talent au Canada, là, ça n'a pas de sens, mais je pense pas que tout le monde. Il y a 6 joueurs qui peuvent jouer sur un top 6, puis il y en a 10 qui jouent sur un avantage numérique. Fait que faut que tu sois vraiment, vraiment bon pour pouvoir jouer, évoluer sur le top 6 à l'attaque. Fait que je pense que c'est une raison pourquoi j'ai eu l'appel de l'Hockey Canada. C'est un espoir des Ducks. Présentement, ils sont plutôt dans le bas du classement. Ça va pas bien. Il y a un gars aussi avec qui tu as joué qui s'appelle Mason McTavish qui dit texter avec Connor Bedard pas mal. Ouais. Imagine que les Ducks auraient le premier choix au repêchage, ça pourrait être excitant. Ouais, c'est un joueur exceptionnel. Là. J'ai eu la chance de le côtoyer et de le voir sa patinoire. Tout le monde le voit sa patinoire, mais j'ai la chance de le côtoyer comme personne. Ouais. Puis il travaille super fort. C'est un gagnant, il veut tout le temps s'améliorer. Puis c'est le joueur qui va rester une heure de plus sur la glace après la pratique, puis il va se faire chialer dessus parce qu'il faut qu'il sorte. C'est un passionné, puis il y a une raison pourquoi il est bon de même. Si on a la chance de mettre la main sur Connor, ça va être. Je pense que l'avenir est belle pour les Ducks. Ouais. Justement, en étant repêché par les Ducks aussi, t'es sorti en première ronde et tout ça. Comment ça se passe l'expérience avant un repêchage? On entend parler que est-ce que tu as parlé aux 32 équipes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a cliqué avec les Ducks que tu doutais que ça allait être eux qui allaient être repêchés ou tu avais différents scénarios? Ben, tout au long de l'année, c'est ça, il y a des entrevues qui se font. J'ai eu la chance de parler à pas mal toutes les équipes. C'est sûr qu'il y a des équipes qui disaient qu'ils parlaient un petit peu moins parce qu'il n'y avait pas de choix justement dans le repêchage. Des équipes comme l'Avalanche qui ont gagné la Coupe cette année qui avaient juste tout simplement quasiment pas de choix dans le repêchage. Là, ils ne font pas perdre le temps aux joueurs. À partir de là, je pense qu'avant le repêchage, c'est quand tu vois que tu as la première rencontre avec l'équipe, mais qu'ils te rappellent pour une deuxième puis une troisième rencontre, c'est là que tu vois qu'ils ont peut-être plus d'intérêt un petit peu ceux-là. Puis les Ducks en faisaient partie. J'ai eu 3 rencontres avec eux puis ça avait super bien été. Il y avait comme le choix numéro 10 puis 22 en première ronde. Puis il m'avait fait la demande. Il me dit selon toi, c'est quoi tu penses? On veut te drafter, là, nous autres. Il dit tu penses que tu vas sortir 10 ou 22? Fait que là, c'est comme des petits indices une fois de temps en temps qu'il disait. Puis que quand c'était rendu au choix numéro 22 à Nantes, mais j'avais un petit peu plus chaud. Là. Puis finalement, ben c'est ça, ça a été le choix 22. Ouais, le 10e, c'était-tu Zellweger, non? Non, Pavel Mentikov. OK, parfait. Ouais, dans Whitechill. OK. De ton côté, Théo, t'es peut-être le gars qui a le plus joué avec Zach Bolduc sur un même trio dans sa carrière junior. Fait que tu le connais, personnellement, vous connaissez tout, mais aussi son côté hockey, un autre espoir aussi. Puis qu'est-ce que tu lui dirais à Zach si t'étais son père? Pour
Pour l'espèce de dire tu vas réussir dans LNH si tu fais ça comme faut. Ouais, écoute, je pense que Zach, c'est un joueur incroyable. Je veux dire, c'est le fun à jouer avec, puis de le côtoyer aussi. Puis que je dirais de continuer de faire ce qu'il fait parce que ça marche pour lui, puis ça marche pour l'équipe. Je veux dire, il nous a fait gagner des games, puis il shoot le puck, il passe le puck, il est capable de jouer physique, il s'en va au net, puis tu sais. Je pense que c'est pas mal ça que tu demandes à un joueur de comme ça. Là. Fait que, écoute, il n'y a pas grand-chose d'autre que j'y dirais. Là. Je pense que c'est un aspect qui a amélioré cette année. Là, on le voit, il est plus physique. Il veut rentrer dans l'avant du but. Puis il a scoré une coupe de but comme ça cette année. Puis je pense que c'est quelque chose qui essaie d'améliorer. Je pense que c'est quelque chose que, comme tu dis, peut-être son pari, lui, il lui a dit. Ou sur l'organisation. Puis c'est un excellent joueur. Les gars, vous êtes des espoirs de hockey professionnel aussi et tout ça, mais reste que c'est pas tout le monde qui gagne sa vie là-dedans. Est-ce que vous avez, c'est quoi vos plans pour la suite des choses quand le hockey va être terminé, si ça se termine, ou une fois que vous allez passer l'âge de 20 ans, en fait, c'est ta dernière saison, Théo. hockey professionnel par la suite, ça peut arriver pour certains, mais vous étudiez en quoi? C'est quoi vos buts? Ouais, ben là, je rentre dans le domaine de business, c'est quelque chose. Je suis passionné depuis que je suis jeune. J'ai même commencé à mon école d'hockey et tout ça. Ouais. Que ça soit partir un produit. J'aime vraiment ça au niveau business. Les gars le savent. C'est quelque chose qui me fascine. Fait que je veux continuer là-dedans. Si l'hockey ça marche pas, ben je sais que je vais avoir un plan B, je rentre à l'université, je vais avoir mon papier et tout ça. Fait que c'est de quoi je continue. Puis, gestionnaire en général, partir une entreprise, entrepreneur. Ouais, en plein ça. Okay. Ouais, ouais. Ah, c'est bon. C'est cool. Déjà avec ton école de hockey aussi. C'est fait ça. Commence un peu là-dedans. Même des inscriptions, envoyer des courriels. C'est quand même un petit produit. Fait que non, c'est le fun. Moi, je trippe avec les jeunes aussi. Fait que non, je suis bien content. Parle-en de ton école de hockey. C'est-tu à Saint-Hyacinthe? Non, c'est à Saint-Hilaire. Ok, Saint-Hilaire. C'est là que tu viens? Ouais, c'est là que je viens. Ouais, c'est il a trouvé un moyen de faire de la pub. Ça va de bon sens. Ouais. Non, ça faisait 2 ans que je travaillais avec les jeunes. J'ai coaché aussi niveau 3 d'été. Fait que j'ai su tout de suite que je trippais vraiment pouvoir partager ma passion avec eux. Puis non, c'est ça. Je pense que les jeunes aussi ont aimé ça. J'ai fait des pratiques aussi durant le COVID. J'ai eu le droit à Saint-Libois. C'était une aréna un peu. Il y avait un toit. Puis tout ça, on n'avait pas vraiment le droit de faire des pratiques. Fait que les jeunes, ils ont sauté dessus. C'était des. Là-dessus, on avait le droit, c'est ça, à 20. Fait que, un peu le patinoire extérieur, c'est ça, fait que c'était correct. Fait que j'ai commencé là-dessus, puis j'ai eu un père formidable qui m'a amené 20 jeunes. Okay. Puis c'est à partir de là, puis là, tu fais des contacts. Fait que là, j'ai commencé publiquement là, à faire des pauses, puis tout ça. Fait que à date, ça va bien, mais non, j'ai hâte que ça commence. Là, j'aime vraiment ça. Ah, excellent. Ouais. Nate, si jamais le hockey, ça marche pas? Ou, Ouais, ben c'est sûr que j'ai pour vrai, pour le hockey, c'est mon plan numéro 1. Mais à part de ça, là, pour un plan d'après-carrière, là, j'aime ce que Mick il va entreprendre. C'est sûr que peut-être qu'on deviendrait partenaire à un moment donné. Ah, c'est bon. Ce serait pas fait. Non, mais pas vrai. en général, j'aime bouger, j'aime ça, participer, aider les jeunes. Fait que je sais pas pour l'instant. J'aime aussi les chiffres. Ma mère est comptable. Fait que c'est peut-être la finance de ce côté-là. Mais pour l'instant, j'ai pas déterminé mon plan. Mais je pense que j'aimerais ça rester dans le hockey. Ce que mon père, en fait, fait justement, c'est vrai, étant directeur général, ça te donne des envies encore plus. Fait que j'ai pas de déterminant encore, mais j'aime ça bouger. Fait que on va voir. Ton frère fait quoi? Mon frère, il joue dans la East Coast pour Philadelphie. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon. Puis Théo? Ben moi, un peu la même chose que Nate. Là. Moi, je sais pas spécialement qu'est-ce que je voudrais faire autre que dans le hockey, là, fait que, tu sais, que ce soit agent, coach, directeur général, whatever, moi, c'est quelque chose que je veux faire autour de ce sport. C'est Félix Bibeault, au début, il y a quelques années, en tout cas, capitaine des Remparts, qui maintenant est coach adjoint à Chicoutimi. Tu sais, ça peut être de quoi de... Ouais, c'est le genre d'affaires qui m'intéresserait, mettons, si jamais le hockey, ça marche pas. Ouais. L'an prochain, puis t'es pas obligé de répondre, est-ce que tu vas en Europe ou tu restes en Amérique du Nord? Ben, j'aimerais ça te répondre, mais je sais pas encore. C'est pas encore. C'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, ben, parfait pour ça. Parce que, tu sais, par rapport à tu nous as parlé de Lausanne, de la Suisse, t'as habité là aussi. Si quelqu'un nous écoute et veut faire un voyage en Suisse, faut qu'il aille voir quoi? Écoute, il y a bien des affaires à aller voir. Là. C'est sûr qu'en hiver, les stations de ski, c'est quelque chose. Là. C'est quelque chose que je m'ennuie quand même de faire skier. Puis je vois souvent mes chums qui sont là-bas, qui m'envoient des snaps qui sont au ski. Ça, tu skis pas à Québec?
Non, non. Ben, pendant la saison, c'est top. Ouais. Honnêtement, je sais même pas. C'est sûr que c'est un sport qui est dangereux, bien sûr. Ouais. Ouais. Et on veut pas risquer pendant une saison. Ouais, donc, c'est ça. Puis, anyway, on n'a pas tant le temps non plus. Là, je me sentirais mal de dire, ouais, Pat, ouais. Si je suis allé au ski en fin de semaine, je suis moufiante. Non, c'est clair. Mais non, pour de vrai, je sais même pas. Mais c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. On roule à 3 games par semaine. Puis aujourd'hui, on n'avait pas de pratique. Ça nous tente moyen d'aller faire encore un ouais, c'est ça. Ouais, descente en ski. L'horaire est rough, il y a beaucoup de games, ouais. Beaucoup de voyagements aussi, là, c'est sûr. Est-ce que vous faites d'autres sports, outre le hockey? On va jouer au tennis des fois. Ouais, j'aime tout ce qui est sport. Tu sais, mon frère, j'aime bien ça. Depuis qu'on est jeune, on va jouer une game de basket, on va jouer au tennis, on va faire des petites affaires, mais... Là, j'ai entrepris le golf depuis 2 ans. Ouais? Ouais, que j'essaie de me perfectionner encore plus. Fait que c'est sûr qu'on peut juste jouer les étés. Fait que, mais ici, à Québec, il y a des belles places à l'intérieur. Mais le golf, c'est quelque chose que j'essaie de poursuivre encore plus. Y a-t-il un gars dans l'équipe qui est comme super fort au golf, super fort à un autre sport que vous savez? Ben on est quand même beaucoup de joueurs de golf. Hein. Ouais, OK. Ouais, y a des bons joueurs de golf, c'est sûr, mais... Ouais. J'ai pas le goût de dire c'est qui le meilleur parce que je veux pas qu'il s'en fout. Ah, ouais, ça. OK, je comprends. Mais je peux te dire un top 3, mais je vais pas les classer, mettons. OK. Je vais te dire P.O. Roy, qui est un très bon joueur de golf, Nico Savoie, puis Théo, qui sont pas mal. OK, pas mal les trois meilleurs joueurs. Il est heureux, là. Ouais. il attendait que j'ai son nom, le troisième. Je savais pas s'il s'en venait. J'ai hésité de me mettre, là, parce que je vais te laisser me mettre. Déjà que tu gères la musique maintenant en plus. Là, puis tu sais, c'est quel genre de musique qui joue dans le vestiaire des Remparts ou qui jouait puis que ça s'enligne vers quoi? Ben, sérieux, j'essaie de mettre un peu de tout. Là, ouais. Genre, s'il y a des gars qui m'en envoient puis tout, du rap, tu sais, plus des musiques, mettons, des remixes, du rock, un peu. Sérieux, j'essaie de mettre un peu de tout. Le matin, c'est plus du country. Puis avant game, c'est plus des remixes, puis peu de rock. Ça dépend du moment. Ouais. Un lundi matin, de mettre un remix, ça peut être rough. Ouais, il y a des chialeurs, là, sinon. Là, ah ça. Ouais, on les nommera pas ceux-là non plus. Mais, puis, tu sais, personnellement, votre style de musique préféré, puis vos artistes favoris? Ben, country, moi j'adore ça. Luke Combs. Ce style-là. Mais sinon, avant les matchs, des petits mix, j'aime vraiment ça aussi. Okay. Je peux même mettre ça dans mon auto. On dirait que ça te fait heureux, c'est le fun. Est-ce que tu étais là au show de Luke Combs? Ouais, j'étais allé. Mais j'étais à Montréal dans ce temps-là. T'es allé au show à Montréal? Ouais, en novembre. À Montréal. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai trippé. J'ai vraiment trippé. Non, c'était incroyable. Non, ouais. Non, c'était vraiment cool. Si je peux y voir la face, les gars. C'est sûr. C'était quelque chose. Dans le fond, j'ai commencé à aimer le country drôlement avec Dylan Chavez. Ouais. Il était ici. Moi, j'avais 16 ans. Lui, il avait 17-18. Puis c'est lui qui me conduisait le matin, à chaque matin. Puis en boucle, dans son auto, jouait du country pas mal tout le temps. Fait que c'est là que j'ai commencé à aimer le country. Puis depuis ce temps-là, j'ai pris sa playlist en note. Puis ça roule dans mon auto à chaque matin. Puis là, t'as-tu des noms d'artistes en tête ou c'est juste comme tu mets playlist country puis tu sais pas trop qui joue? Je vois avec... ce qu'il joue. Ouais, c'est sûr qu'il y a des bons artistes là. Ouais. Mais en général. Moi, même chose, là, le country, c'est sûr que le matin, c'est winner. Là. Genre, c'est pas mal ça que j'écoute. Peu importe, je suis fatigué en fin de journée, j'écoute ça dans mon auto puis tout. Sinon, j'aime bien les remixes aussi, là, les Big Booty. On met ça avant la game souvent, puis on écoute ça. Fait que ça, j'écoute moins ça dans mon auto, mais j'aime français. Du rap français aussi. Moi, en Suisse, c'est beaucoup ça qui joue. Fait que on dirait que... Il nous a fait découvrir ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon. Les Théo, il peut chanter du rap français. Ouais. Tu devrais le voir aller. Après, Théo va te faire du show. C'est quoi les activités que vous faites dans l'autobus? Y a-t-il des games de quelque chose? Ou quand vous arrivez à l'hôtel sur la route, y a-t-il des activités comme des tournois qui se font d'un jeu en particulier? Dans le bus, c'est délicat parler de ça. Ah, okay. Ils gagnent pas souvent. Ah. Vous deux, tout le monde. Parce que si se passe Théo, il est trop tout le temps de façon. C'est ça. C'est drôle, c'est tout le temps même qui gagne. À quel jeu? Souvent, ils ont 20 ans. En général, depuis Noël, Théo, en fait, il a acheté une grosse table de toc. OK. Fait que ça, c'est un jeu qu'on...
qu'on joue régulièrement. Les billes, là, avec les cartes, ouais, il ouais. faut que tu rentres ça dans la maison. Ben, c'est sûr qu'il y a des fois, c'est il y a un gars qui t'accroche une boule. Puis ah, ouais, ouais, ouais. Je cours le chauffeur, c'est pas tant cool, là, mais... mais sinon, ça va, c'est le fun. Puis sinon, il y a un autre jeu, le Bullshit, que Théo, il aime bien jouer. Ouais. Ça, c'est son jeu, là. C'est... Dans le fond, il faut que tu mentes. Fait que, tu sais, il est super. Ah, bon. Fait que c'est ça. Faut que tu bullshit ton adversaire. Faut que tu sois chanceux et tu pognes les bonnes cartes. Parce qu'il y a une carte, faut que tu fasses semblant que, que c'est ça qui est écrit. Ouais, ben c'est genre, c'est les mains de poker. Puis là, c'est comme, il y a quelqu'un qui te dit une main avec 5 cartes, puis t'en changes combien que tu veux. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Pour essayer de le battre. Ok, bon, c'est cool. Puis, tu sais, après ça, y a-tu des jeux vidéo, soit en équipe ou sinon plus personnellement? Moins sur la route, là. Les gars, ils amènent pas leur PS4 sur la route. Mais moi, je joue pas même, mais c'est sûr que des fois, je vois James jouer avec des gars de l'équipe le soir, puis c'est sûr que ça rassemble un petit peu. C'est Fortnite pour les remparts, ouais? Ben là, il y a un bout. L'année passée, j'ai quasiment pas joué, honnêtement. Il y a personne qui jouait, mais cette année, on a comme repogné un petit beat. Ça fait un petit bout qu'on se connecte les gars ensemble, puis on joue tout contre. Là, fait que... Ah, okay. C'est le fun, c'est drôle. Ouais. Série télé, je vous donne 3 choix. Vous me dites laquelle vous feriez. Vous êtes obligé d'en faire une, OK? Est-ce que vous iriez à OD, Survivor ou Big Brother? C'est quoi Survivor? Ouais. Survivor, c'est il te laisse sur une île déserte, puis il t'enlève tout, puis il faut que tu t'arranges pour survivre. Seul et tout nu, ce genre de. T'es pas tout nu, mais mettons, il faut que tu t'arranges avec des petits bambous, puis du feuillage pour te faire un lit. Mais Big Brother, je sais que ma pension écoute ça, puis j'écoute 5 minutes, puis je comprends rien, puis ça ferait jamais ça. C'est ça. Mais là, ma blonde serait pas contente, j'ai zodé, là, fait que je. Ouais, ouais, c'est obligé de dire Survivor. Survivor, tu vas être calé. Ouais, c'est ça, on va dire Survivor, va être safe. Ça va être vas-y. Bah, moi, j'ai vraiment pas aimé la dernière saison d'OD, mais c'est la seule que je connais. Historiquement, tu l'as écouté comme tout le temps, puis là, c'était comme ah, là, c'est trop moi, je avant, j'étais en Suisse, fait que je connaissais pas ça pendant tout. Puis quand j'étais arrivé à Chicoutimi, je voyais les gars qui trippaient là-dessus. Ah, c'est OD à soir, c'est OD à soir. J'étais comme, c'est quoi ça? j'ai commencé à écouter ça un peu la fin d'une saison quand j'avais 16 ans, puis après ça, j'ai commencé à écouter ça avec les gars, puis avec ma blonde. Là. Mais t'as pas aimé la dernière saison, pourquoi? Bah, c'était comme un peu bizarre, mettons. Là, ouais, c'était décroché, je pense. Ouais, c'est sûr que nous autres, on voit pas toutes, là, mais c'est correct qu'il y ait de l'intimidation, puis qu'il y ait mis les personnes dehors, mais on dirait que ça a comme... Ça a comme gâché un peu le show parce que là, on voyait quasiment plus rien du show finalement. Non, c'est ça. Ouais, ça a changé pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était moins passionnant, mettons. T'écoutes-tu des séries, Nate? J'écoute des séries, ouais. En général, Ben, cette année, Occupation 2, j'ai pas pu le prendre parce que j'étais aux États-Unis. Okay. Puis j'ai comme pas. Mettons, tous les épisodes qui commençaient, je les ai tous pas pris, fait que j'ai juste pas rembarqué jamais. Mais d'habitude, je l'écoute. Sinon, sur Netflix, là, je me prends des séries une fois de temps en temps. Mais sinon, pour répondre à ta question, là, je pense que j'irai à Survivor, mais seulement avec Mickey. Ok. Yes. C'est juste toi, puis Mick, sur une île déserte. Puis il faut que vous arrangez comme ça. Ok, ouais, c'est bon. Ça marche, ça. Un beau projet. Ouais, exact. écoutez les gars, je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. On continue de suivre les remparts. Les partisans sont en feu, les partisans sont là, je pense, plus que jamais. En tout cas, je le vois dans les assistances. Là. Fait que bonne fin de saison, les gars. Si jamais vous voulez dire de quoi aux partisans avant d'écouter le podcast. Moi, personnellement, tu sais, j'ai pas vécu le match du 31 décembre qui était plein, je pense, 16 000. Puis j'ai vécu le dernier match contre Halifax dimanche dans les estrades. Puis on voyait, tu sais, c'est le fun de voir les partisans avec nous. Puis c'est le fun de. Tu sais, on a une bonne équipe, puis c'est le fun d'avoir leur support. Puis je pense que sur la patinoire, ils aident vraiment. Tu sais, je pense pas qu'ils pensent qu'ils ont cet impact-là, mais de quand tu perds 4-0 puis que tu vois que tu viens de faire un but puis la foule embarque, là, tu vois, ça donne l'énergie à l'équipe. Fait que on a de très bons partisans à Québec, donc continue de nous suivre puis on va vous donner un bon show jusqu'à la fin de l'année. Tu as-tu senti, toi, Théo, sur la glace c'était surtout quand on a scoré le premier but. Ouais. Là, ça a commencé à crier après le deuxième, mais c'était vraiment fou. Là, puis... C'est le fun de voir ça. Puis même quand il y a un peu moins de monde, tu sais, on le sent, les gens sont dedans, puis on les entend crier pareil. Puis il y a vraiment du bruit dans l'aréna, de l'ambiance. Puis nous autres, mais ça, honnêtement, ça nous motive vraiment là, à faire ça pour eux autres. Fait que continuez à faire ce que vous faites pour nous autres, puis on va tout faire pour vous autres. Je pense qu'on a des fans passionnés, ça, c'est le fun, tu sais.
quand on se promène dans l'aréna, ils viennent te voir, ouais, prennent des photos, comment ça va, ils sont au courant, pour mes poignets, je prends un exemple, ils sont au courant de la date, quand je me suis fait opérer, je suis comme, wow, c'est le fun, ils nous suivent, je pense qu'ils aiment l'équipe, ils aiment l'organisation, fait que c'est vraiment le fun de pouvoir les côtoyer, puis quand on a des bonnes équipes, fait que je pense qu'ils embarquent, puis c'est vraiment le fun pour nous, puis je pense que c'est le fun pour eux aussi. C'est cool, t'sais, le Centre Vidéotron vit plus que jamais là, avec les deux dernières éditions des Remparts, mm-hmm. Fait que on espère que vous allez faire un bon bout, les gars, puis merci beaucoup d'accepter l'invitation aujourd'hui, puis bonne fin de saison. Merci beaucoup. Yes, merci.